Tu t'appelles comment? Marion. Marion. Tu t'es mariée ou pas les fringues? Mais c'est froid, la meuf. Mais tu fais pitié, hein. Tu fais pitié, hein. Jean, on va faire l'appel. À l'appel de votre nom, vous levez la main. Lorenzo Adré. Là. David Alexovski. Là. Ok. Caroline Amos. Là. Très bien. Marion Armstrong. Voilà, Armstrong. T'es allé sur la lune, non? S'il vous plaît, jeune Jean. Stay. Alexandre Aubry. Là. Ok, très bien. Eh bien, pour ce premier jour de l'année, prenez vos carnets de correspondance, s'il vous plaît. Un petit peu étudier le règlement intérieur. Salut, moi c'est Marion, et toi? Ça te gagne? Bah, je sais pas. Bah, non, pas bah, les nouvelles, ok. Mais je te fais en tout cas, je n'aime pas de bien, bonjour à tous, jeunes gens. Aujourd'hui, au programme, l'élection des délégués. J'en ai un peu parlé la semaine dernière, donc je sais que les candidats à l'élection pour cette année sont Jean-Eudes, Sabrina, Alexandre et Marion. J'imagine que vous avez préparé un petit discours pour nous présenter votre programme. Ouais, on commence par Jean-Eudes. Alors moi, je me présente pour être délégué pour qu'il y ait moins de violence dans la cour, plus de joie. Après, qu'il y ait aussi des étudiants à la cantine parce que l'après-midi, on n'est pas très énergique. Et puis une heure de cours à la fin parce que comme ça, c'est... Bon, merci Jean-Luc. Ok. La suivante est Sabrina. Alors, bonjour, moi c'est Sabrina. Hein, vous me connaissez tous. Alors, pour mon programme, plus de frites à la cantine. C'est clair. On va abattre tous les arbres de la cour en fait pour faire une piscine. Après, on est droit au mini-short, au mini-jupe et au piercing et qu'on part à New York en fin d'année. Tout un programme, Sabrina, merci. Alexandre vient nous parler de son projet. Alors moi, j'aimerais bien qu'on fasse beaucoup plus de sorties scolaires, surtout des laser games et des paintball. Et puis voilà. Merci, Alexandre. Et enfin, notre dernière candidate, Marion. C'est le laser game. Bonjour, je me présente cette année pour être déléguée. Parce que je pense que dans cette classe, il y a trop de violence pour qu'on soit tous les uns avec les autres comme une classe, qu'on soit... unis. Aussi, je pense qu'il n'y a pas assez d'arbres. Il faudra en parler au directeur pour replanter des arbres dans la cour. Jean, on écoute Marion, s'il vous plaît. Et puis aussi, si vous avez un problème avec un élève ou un professeur, eh ben, je serai là pour vous aider. Vous pourrez m'en parler. Merci Marion. Allez, on va procéder au vote maintenant. Prenez tous un petit bout de papier. Très bien, le compte y est, j'ai compté, sont élus délégués Sabrina et Alexandre. C'est aux élections des délégués. Ouais. Bah, il y a des gens qui ont voté pour l'autre, la nouvelle. Et bien, j'ai gardé un papier et je suis sûre qu'il y a Alexandre qui a voté pour moi. C'est une blague. Non, je le jure. Quoi? Il va m'entendre. Ouais. Oui, c'est bien l'écriture d'Alexandre. C'est quoi ça? Pourquoi t'as voté pour cette icône là? Ah non, c'est juste parce qu'elle avait un bon programme. Oui, tu te fais la gueule. Oh, malade. Chez les 5e B, on me suit. En classe. Elle a pas la mise. Qu'est-ce qu'elle vous a fait pour la traiter comme ça?
Occupe-toi de tes affaires. T'es sûr? Ouais. Qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce que je pourrais aller à l'infirmerie si ça le chuchote? Sabrina, s'il te plaît, tu l'accompagnes et les autres me suivent en classe. Blague là. Allez, avance. Cahier, séance 7, dictée. Arrêtez! Pardon? Mais madame! Tu sors! Madame! Je t'ai demandé de sortir, Marion! Ah, tu dis quoi? Ça a l'air tellement intéressant! Ça existe encore, ça? Non, 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 non! Le musée noir! Arrête! Mais arrête, sérieux! Victor Hugo, ah, et Victor Hugo, ça vole! Monsieur? Oui? Je crois que Sabrina et sa bande harcèlent Marion. Elles harcèlent Marion? Comment ça? C'est sérieux, tu crois? Oui, ça devient grave. À quel point? Bah, je pense que Marion voudrait mettre fin à ses jours. Ah ouais, effectivement, c'est sérieux. Ben, écoute, je vais convoquer Sabrina et je vais essayer de mettre ça au clair. D'accord. Merci beaucoup. Sabrina, rentrez là. Quoi? On est pas trop amis, mais je voudrais quand même te dire quelque chose. Quoi? Tu te rends pas compte de ce que tu fais avec Marion? Mais arrêtez de me saouler avec ça, il y a même le prof qui dit ça. Réfléchis un peu. Ta gueule. C'est Marion, qu'est-ce qu'elle fait? Mais tu peux pas m'en empêcher, c'est toi qui as voulu que j'arrive passe, là. Passe, mais c'est passe. Tu m'as poussé à tout maintenant, tu dis ça, mais. Je suis désolée. Mais ça suffit pas d'être désolée, tu te rends pas compte de tout non, ce que tu m'as fait. Non, c'est. Mais si, pardon, je suis quand même désolée, je voulais pas le faire. Action. Coupé. Action. Cœur. Action. Coupé. Scène 5 où elle se fait voler son livre. Action. Ça tourne. Tourne. Ah, c'était bien. Action. Ça tourne. Coupé.